Bienvenue au Dojo Tenshin. Ce soir, nous avons l'immense joie d'accueillir Marc-André Sellos pour une conférence autour du probiote. Il a accepté de venir faire une conférence en 2020. On n'a pas pu la faire, malheureusement à cause de vous savez quoi. Et il a accepté de la refaire aujourd'hui, donc nous sommes très heureux de l'accueillir. Le Dojo Tenshin, c'est une association, quand même que vous sachiez où vous êtes, hein, pourquoi vous êtes assis par terre et non sur des chaises. C'est une association où on pratique l'aïkido et le katsugen indo depuis 1985. Et nous nous intéressons à travers nos pratiques aux interactions du vivant. Et les travaux de M. Sellos nous ont élargi notre compréhension sur les interactions du vivant. Et pour l'accueillir, nous avons choisi justement de mettre cette calligraphie faite par Maître Itsuo Tsuda qui veut dire « regardez sous vos pieds ». C'est une sentence zen qui veut dire « souvent on cherche la vérité à l'extérieur, on se fait des grandes idées ». Et bien souvent, la vérité, elle est sous nos pieds. Je vais laisser la parole à M. Sellos. Alors, s'il y a une chose que l'on peut effectivement retenir de ça, c'est que très souvent, en réalité, les choses extraordinaires se trouvent plus proches de nous que nous ne l'imaginons, et ce n'est que l'attention qu'on doit leur donner qui peut les révéler, parce qu'elles sont là, elles sont immanentes. Et par exemple, on a souvent l'impression qu'on vit dans les écosystèmes, que les écosystèmes sont autour de nous, et vous allez voir qu'en fait, ils sont en nous aussi. Alors, dans ce qui va suivre, on va essayer de regarder des objets qu'il y a autour de nous, des plantes, des animaux, ou des gestes civilisationnels, et on va découvrir qu'en fait, ils sont accompagnés de microbes. Ils sont en quelque part le résultat d'écosystèmes microbiens. Et je vous propose déjà de regarder à quel point une plante n'existe pas sans microbes. D'abord, les plantes, elles sont vertes. Et vous allez voir, elles sont vertes comme des bactéries. Personne n'est choqué par cette image. Or, pourtant, dans cette image, il y a beaucoup de vert, il y a beaucoup de chlorophylle. Et cette chlorophylle, vous allez voir, est la preuve de la présence bactérienne au cœur des cellules des plantes. Suivez-moi. Vous savez que le vert, c'est la chlorophylle, que la chlorophylle, c'est ce qui permet d'exploiter l'énergie de la lumière et que cette chlorophylle se trouve dans des corpuscules des cellules végétales, des corpuscules verts, donc, qu'on appelle les chloroplastes. Et ces chloroplastes sont l'endroit où a lieu la photosynthèse. C'est là que, grâce à l'énergie captée par la chlorophylle dans la lumière, grâce à cette énergie, on transforme du CO2 en sucre. Eh bien, figurez-vous que c'est le lieu de la photosynthèse, oui, mais ce lieu de la photosynthèse, c'est rien moins qu'une bactéries, des bactéries, quand il y en a plusieurs, qui vivent dans les cellules. Des bactéries du groupe des cyanobactéries. Je vais y revenir, les cyanobactéries, vous les avez déjà vues. C'est des petites bactéries qui font la photosynthèse, soit elles font ça libre dans le milieu, soit pour certaines d'entre elles, elles sont depuis des générations dans les cellules des plantes, elles se multiplient là, quand la cellule se divise, et bien les deux cellules héritent de chloroplastes. Lors de la reproduction, les parents transmettent des chloroplastes à leurs enfants, et finalement, ce sont devenus des composants ordinaires de la cellule. Mais les plantes, les ancêtres des plantes, ont appris la photosynthèse comme on attrape la scarlatine en attrapant un microbe capable de photosynthèse. Alors, ces cyanobactéries qui sont devenues, qui vivent dans les cellules et qui sont maintenant héritables, hein, donc c'est les composants ordinaires des cellules, eh bien, vous les connaissez parce que quand vous regardez un paysage, avec des falaises par exemple, ou même d'ailleurs des façades en ville, vous avez des espèces de pissures ou de revêtements un peu grisâtres qui se développent. Et cette patine, en fait, c'est des cyanobactéries, des petites bactéries capables de photosynthèse. Celles-là vivent libres. Et puis dans les plantes vertes, il y a d'autres cyanobactéries qui font la photosynthèse pour le compte de la plante qui, par ailleurs, les abrite et les nourrit en toutes sortes d'autres ressources dont elles ont besoin. Ouais. Ça veut dire qu'au cœur de la plante, au cœur de la couleur de la plante, il y a déjà des bactéries. Et la photosynthèse, c'est en réalité, on le sait maintenant, ça n'a pas été facile de comprendre ça. La photosynthèse, c'est une preuve de la présence microbienne au cœur des cellules des plantes. C'est pour ça que les plantes font la photosynthèse et pas vous, nos ancêtres, ils n'ont pas attrapé de chloroplastes. Voilà l'histoire. Alors, la plante ne se nourrit pas que de l'air et de la lumière, hein, elle se nourrit aussi dans les sols. Et dans les sols, elle a aussi besoin de microbes pour se nourrir. Suivez-moi
avec l'exemple des pins, des arbres que vous connaissez, hein, qui chez nous sont des pionniers, c'est ce qui pousse en premier quand on abandonne le pâturage ou le labour sur une parcelle, et bien ils poussent dans l'hémisphère nord. Et quand les Européens sont arrivés en bateau pour aller tracasser, on va dire, les populations locales en Amérique du Sud ou en Afrique, ils sont arrivés avec des bateaux en bois, qui avaient souffert de la traversée, et rien ne vaut mieux que le bois de pin pour refaire un mât ou pour refaire un bateau, parce que c'est un bois avec une belle fibre, bien droite, et puis surtout imprégné de résine qui le rend imputrescible. Donc l'idée, ça a été de planter des pins, et pour planter des pins, qu'est-ce qu'on fait? On amène des... on amène des graines. Et quand on amène des graines et qu'on les plante là, ça ne pousse pas. Ça fait quelques petites aiguilles vertes et puis ça meurt. Alors ils ne se sont pas démontés, hein. Ils ont amené des plants déjà enracinés. Et ce qu'on voit sur ces images, alors là c'est un peu des images de compétition, hein, c'est que les racines, elles sont visitées par des filaments de champignons. Les champignons, c'est fait de filaments microscopiques qui vivent dans les sols, et ces filaments de champignons viennent s'associer aux racines. Ils viennent faire un espèce de manchon autour de la racine, un manchon qui a la couleur du champignon. Cette association, c'est ce qu'on appelle une mycorhize. Parce que finalement, ce que vous voyez à l'écran, c'est ni une racine, rhiza, ni du champignon, myco, c'est un mélange des deux. Et cette structure-là, eh bien, elle est vitale pour les arbres. Alors chez nous, ces champignons sont partout, donc il n'y a pas de problème. Vous plantez une graine, elle finit par pousser parce que ses racines trouvent le champignon. Mais quand on introduit les pins dans les régions exotiques, eh bien, il n'y a pas ces champignons et ça ne pousse pas. Et ça montre que ces champignons sont vitaux. Qui sont ces champignons qui aident les arbres de nos régions à pousser? Eh bien, c'est ceux qu'on trouve en forêt. Russule, lactaire, cèpe, girole, trompette de la mort. Les truffes aussi, c'est pour ça que les truffes ont besoin d'un arbre pour pousser. C'est que leurs filaments microscopiques viennent former des mycorhizes sur les arbres. Cette histoire-là, c'est l'histoire d'une plante qui donne des sucres et des vitamines aux champignons, qui d'ailleurs lui-même ne sait pas se nourrir autrement. C'est pour ça que les champignons forestiers, on les trouve qu'en forêt. Voilà. Et en échange, le champignon va faire les courses dans le sol. Il va chercher de l'eau, du potassium, de l'azote, du phosphate. Il ramène ça d'abord pour lui et en partie pour la plante. Et cet échange-là, dans l'organe mixte qu'on appelle la mycorhize, c'est la façon dont les plantes exploitent les sols. Sans cela, elles ne savent pas exploiter le sol. Alors vous allez me dire, bon, c'est une histoire d'arbres, mais qu'en est-il des plantes herbacées? Et qu'en est-il des plantes tropicales? Alors je prie une plante herbacée, même si elle est grande, le maïs, et puis qui est tropicale par son origine. Et là, en fait, les plantes de chez nous qui ne sont pas ligneuses et les plantes tropicales, ce qu'on appelle leur... Ce qu'on a envie d'appeler leurs racines, ce n'est pas des racines, c'est des mycorhizes aussi. Sauf que là, le champignon ne se voit pas. Il faut carrément passer au microscope pour voir que entre les cellules de racines, eh bien, vous avez des filaments qui, pour le coup, poussent dans la racine et pénètrent même dans certaines cellules. Cette pénétration va permettre, là aussi, des échanges. C'est beaucoup moins visible que pour les arbres forestiers. Ce n'est pas les mêmes champignons, mais il y a aussi besoin de champignons pour nourrir la plante. Et donc la règle est générale, 9 dixièmes des plantes ont besoin de champignons pour exploiter le sol. Il n'y a qu'un petit dixième des plantes qui vivent dans des sols très riches et qui se sont débarrassées des champignons. Maintenant, la plante est capable de manger puisqu'elle exploite le sol et qu'elle exploite les ressources atmosphériques, lumière et gaz. Mais ce n'est pas fini. Des microbes sont là pour la protéger. Vous devinez bien que quand les racines jeunes qui sont les plus sensibles et qui n'ont pas encore d'écorce, la partie plus âgée de la racine a une sorte d'écorce qui la protège. Quand les racines jeunes sont entourées d'un manchon de champignons, il y a vraiment une protection. Il y a une protection, même quand le champignon n'emballe pas la racine, il est présent et il va, en quelque sorte, protéger la racine en émettant des antibiotiques, en consommant tout ce qu'il y a à consommer et en faisant place nette, en quelque sorte, par rapport à des pathogènes qui pourraient s'approcher de la racine. Ce n'est pas une protection à 100%, mais vous comprenez que pour le champignon, protéger la racine, c'est protéger ses ressources. Donc ce n'est pas vraiment de l'altruisme à la base. Plus un champignon est capable de protéger la racine, mieux il mange, plus il est petit. C'est assez mécanique cette histoire, mais elle va plus loin. L'effet des champignons est un effet direct sur les racines par leur présence, la compétition, les antibiotiques, l'encombrement de la surface qu'ils représentent. Mais c'est aussi quelque chose qui s'exprime très loin de là dans les feuilles. Regardez, ça c'est un tour de magie. On va maintenant regarder les feuilles. Là, le champignon qui colonise les racines est absolument absent. On va élever des plants de tabac sans champignons mycorhiziens ou avec des champignons mycorhiziens. On stérilise le sol, on le divise en deux, on réintroduit un champignon dans une partie du sol et dans l'autre,
on garde le sol sans champignons. On a bien mis de l'azote et du phosphate pour que les plantes se développent, et on prend un de ces tabacs modernes, vous savez, ces lignées modernes que l'on sème dans les champs et qui sont toutes génétiquement identiques. Donc c'est vraiment les mêmes plantes de tabac, avec et sans mycorhize, et on leur inocule en deux points sur les feuilles une maladie que vous connaissez comme pourriture noble quand elle vient sur des grains de raisin, mais qui est avant tout l'agent d'une pourriture pas très noble, la pourriture grise, quand le champignon se développe sur des feuilles. Et vous voyez que ça fait des lésions plus ou moins grandes, petites là et grandes là. Et quand on répète l'opération plusieurs fois, on s'aperçoit que les lésions sont au moins deux fois plus importantes en surface sur les plantes non mycorhizées que sur les plantes mycorhizées. Alors que dans les conditions expérimentales, ils sont tous aussi bien nourris et qui sont génétiquement identiques. C'est des lignées qu'on dit élites, hein, c'est des graines modernes, sont pareilles, sauf qu'ils ne sont pas mycorhizées. Et quand on regarde l'accumulation des composés de défense dans les deux types de feuilles, on s'aperçoit qu'il s'agit bien d'une réponse, parce qu'au début, ces composés de défense ne sont pas là. Mais vous voyez qu'au cours du temps, à 24 et 72 heures, ils s'accumulent beaucoup plus fort et beaucoup plus vite dans les plantes mycorhizées que dans les plantes pas mycorhizées. Voilà, le système immunitaire est tout simplement plus efficace dans toute la plante. Le fait d'avoir touché un champignon par les racines à la naissance, ça donne, ça mature le système immunitaire et ça fait de la plante une plante plus capable de se défendre. Le développement d'un système immunitaire mature de plante demande qu'elle ait rencontré un champignon mycorhizien qui ne provoque pas du tout de réaction, hein. C'est pas juste un entraînement qui se produit. Non, non. Il émet des substances qu'on aimerait bien connaître qui vont mûrir, maturer le fonctionnement du système immunitaire et vous faire une plante qui se défend. D'ailleurs, entre nous, la pourriture grise n'est pas une maladie de tabac. Il faut vraiment ne pas avoir de mycorhize pour souffrir de cette maladie. Dans la nature, c'est une des choses que la plante s'épargne, la pourriture grise. Bon, mais enfin, au moins, on voit qu'elle se l'épargne parce que le champignon est là et modifie son fonctionnement. Et puis, dernière chose, puisqu'on commence un peu à parler de développement, on voit que le développement du système immunitaire, il dépend finalement de la rencontre avec le champignon, il y a un autre développement qui est celui de la forme, qui parfois, pour les arbres, passe par les champignons. Regardez plutôt, tout à l'heure, personne n'a été choqué par la forme de ces arbres, et pourtant vous auriez dû. Alors évidemment, d'un côté, ils ressemblent à des arbres forestiers normaux, ils ont un très beau fût, et puis il y a des branches un peu plus haut qui portent des feuilles. C'est normal, hein ? Un arbre en forêt, ça a cette forme-là. Ah oui, mais attendez, quand il était jeune, ça a été un arbuste. Oui ? Et vous savez, ça ne grandit pas comme un parapluie, un arbre. Ça grandit, bah oui, parce que ça pourrait, effectivement, on pourrait avoir faire pousser. Non, ça pousse par le bout. Donc même quand le tronc sera devenu large comme ça, il devrait, même si elles n'ont pas poussé, hein, il devrait encore y avoir ces branches. Où sont-elles ? Où sont les branches basses qui étaient là quand l'arbre était un buisson ? Alors je vous entends. Vous allez me dire, oui, mais elles sont à l'ombre, donc elles sont mortes. Alors ce qui est vrai, c'est que s'il n'y a pas d'ombre, il y a des branches dès la base. Ça, c'est clair. Mais en forêt, comme il y a de l'ombre, les branches basses, bah elles vivotent et elles meurent. Oui, bah, si elles meurent, où sont-elles ? Où sont les cadavres ? Montrez-moi les restes. Et on ne les voit pas. Hein. Alors, on ne les voit pas, mais je vous montre maintenant des arbres introduits de Californie qui ont été utilisés en Bretagne pour faire du remembrement. Les paysans qui remembraient, on leur donnait ces arbres pour faire des haies. C'est des cupressus et des pins insignis qui sont californiens. Une introduction. Et là, on voit très bien que les branches basses, elles restent. Elles sont mortes ou moribondes. Clairement, elles ne sont pas en forme. Mais elles sont là. Eh oui. Vous allez en Californie, il n'y en a pas. Hein. Donc, il y a un microbe qui n'a pas été introduit. Ces microbes-là, qui élaguent, c'est le nom, les troncs, c'est tout simplement des champignons. Des champignons qui vont soit être des parasites de branches affaiblies, soit des décomposeurs de branches mortes, et qui vont manger la branche, et puis quand ils arrivent au tronc, l'intérieur du tronc, c'est trop gros, il n'y a pas assez d'oxygène dedans, ils arrêtent de se développer, ne vous inquiétez pas pour eux, ils ont fait des sports avant, ils vont aller becquer ailleurs, pas de problème, mais ils meurent. Enfin, et alors, du coup, eh ben, vous avez la croissance du tronc qui fait un bourrelet cicatriciel, et ce bourrelet cicatriciel se referme, et oui. Et après, quand cette branche a été élaguée naturellement, eh bien, vous avez une belle fibre qui pousse, qui continue à s'accumuler chaque année, avec deux résultats. Un, maintenant, vous avez une écorce qui recouvre tout, donc une pourriture de cœur, un champignon qui dévorerait le cœur du bois, ne peut plus rentrer parce qu'il y a l'écorce qui fait obstacle, même si transitoirement, il y a une petite fenêtre de tir, elle est terminée. Et puis, deuxièmement, vous avez une belle fibre droite qui n'emballe pas des restes de branches moribondes ou mortes et qui va faire un bois beaucoup plus résistant.
protection phytosanitaire, résistance mécanique. Ces champignons-là, je vous les ai présentés comme des décomposeurs ou des parasites de faiblesse, mais en fait, ils sont très utiles à la santé de l'arbre quand ils poussent en forêt. Et avant tout, ils façonnent sa forme. Voilà, l'arbre est une sculpture de champignons. Le développement de la forme d'un arbre en forêt, ça fait appel à des champignons qui l'élaguent. Et beaucoup d'espèces introduites, il faut les élaguer à la main. Bon, alors là, on a compris que la fabrication de la plante, c'est quelque chose qui demande des microbes. Le point suivant, c'est que quand on voit les animaux, on se dit, oui, les animaux, ils n'ont pas de lien au sol, et donc, eux, ils sont plus difficiles à coloniser. Non, c'est pas le fait d'être immobile qui fait que la plante est colonisée, c'est le fait qu'il y a des microbes partout, et il y en a même dans les animaux. Je vous propose de regarder d'abord comment les microbes aident aussi les animaux à se nourrir et les aident à digérer en prenant un exemple assez iconique, la vache. Alors la vache, c'est un animal qui a plusieurs caractéristiques. D'abord, il passe une grande partie de la journée à rien foutre en mâchouillant, c'est ce qu'on appelle la rumination. Il a un gros ventre, c'est pas une silhouette de lévrier. Et puis il y a une odeur forte. La vache a une odeur forte, et même quand elle est bien lavée, une vache, ça a une odeur fromagée. Alors, on pense tous que ça mange de l'herbe. D'ailleurs, vous avez vu qu'il y avait une vache qui était en train de manger de l'herbe, mais ça, c'est assez trompeur. Parce que quand on observe les bouses, on voit très bien qu'il y a de l'herbe broyée dedans, et cette herbe broyée n'a pas été digérée. La preuve, les morceaux d'herbe sont entiers. Et si vous colorez avec des colorants spéciaux les deux grands composants de l'herbe, qui sont la lignine, qui est ici colorée en vert, et la cellulose qui est ici colorée en rose, vous voyez qu'en fait, il reste ces composants qui représentent 90% de la masse sèche de l'herbe. Donc, ça veut dire que dans les crottes, les bouses de la vache, il y a la preuve que la vache ne digère pas les composants majeurs de l'herbe. Donc, on ne sait pas trop comment elle mange, là. Sauf que la vache, elle a une énorme poche qui se développe entre la partie vraiment acide de l'estomac et l'ésophage. C'est une sorte de poche antérieure de l'estomac qu'on appelle le rumen. Ça fait 150 à 250 litres. Ça explique que la vache, elle n'est pas un porc athlétique. Ça prend de la place. Et c'est là qu'arrive l'herbe qu'elle mange. Et cette herbe mise dans de l'eau à l'abri de l'air, elle fermente. Tout naturellement, il se développe des hordes de microbes, des bactéries, ces petits points que vous voyez, et même des plus gros organismes, des ciliés qui mangent et des flagellés qui mangent ces bactéries. Il y a aussi des champignons qui se développent là-dessus. Bref, vous avez une vie microbienne qui se développe à l'abri de l'air. Et en fait, notre vache, elle va se nourrir comme ça. Alors, pourquoi rumine-t-elle ? Vous sentez au passage l'odeur de la vache qui vient ? C'est l'odeur des fermentations. Oui, c'est l'odeur des microbes qui est à l'intérieur. D'où l'odeur de la vache. Pourquoi mâche-t-elle ? Regardez bien, cette vache est en train de mâcher. À un moment, elle va regarder bien son cou, là. Elle va avaler, hop, et attention, vous êtes prêts ? Houp, elle régurgite. En fait, quand elle mâche, quand elle rumine, 30 000 mouvements par jour de mastication, 10 heures par jour de rumination, elle rejette le contenu de son rumen et elle le mâche. Elle le mâche, elle le coupe en petits morceaux qui facilitent l'attaque par des microbes. Donc en fait, elle fait la cuisine pour ses microbes. Et en plus, elle émet dans sa salive deux choses. Des carbonates, ça on sait, nous aussi, on a des carbonates dans la salive, ça dépose le tartre. Ça, c'est un agent antiacide, parce que les fermentations, ça acidifie. Donc ça fait que le rumen ne devient pas trop acide et reste vivable. Et la deuxième chose, c'est que la vache, elle ne met pas son urée et ses phosphates, qui sont les déchets de son métabolisme, elle ne le met pas dans l'urine. Elle le met dans la salive. Parce que c'est un engrais pour les microbes. C'est un complément d'azote et de phosphate. Alors, comme je dis à mes étudiants, en fait, la vache, elle se fait pipi dans la bouche. Et c'est très bon pour ces microbes. Parce que la vache, elle n'a toujours pas mangé, là. En fait, la vache, elle va digérer les microbes. Elle a une partie du rumen où se fait une filtration des petites particules. C'est massivement des microbes qui partent et qui vont être digérés. Si jamais il y a des brins d'herbe qui passent ce filtre, direction la sortie sans être touchée. La vache ne les digérera pas plus. Ce qu'elle digère, c'est les microbes. Et bon an, mal an,
elle digère l'équivalent de 2 à 3 kilos de protéines microbiennes par jour. Protéines microbiennes issues de son urée salivaire, de ses déchets, dans ses propres déchets réorganisés en protéines par les microbes, et puis de protéines qui viennent directement de l'alimentation, directement des plantes et qui ont été repris par les microbes. Vous y êtes ? En fait, la vache, elle digère du microbe. Et elle est nourrie, donc elle a l'air herbivore. Alors ça, c'est important, hein, parce qu'on peut vraiment se demander si la vache est vraie un herbivore elle-même. C'est plutôt ces microbes qu'il y a dans le rumen qui le sont. Et ça éclaire, ça a une conséquence importante, ça éclaire la question des farines animales d'un jour nouveau. On dit souvent les farines animales, c'est complètement bizarre de donner des restes de carcasses et des restes de cadavres animaux à une vache. C'est pas aberrant du tout. La question, c'est est-ce que les organismes du rumen savent utiliser ça ? Dans le rumen, vous avez des grosses cellules qui mangent des petites cellules. Donc il y a des carnivores dans le rumen qui peuvent manger des petits morceaux de viande comme ils mangent des petits morceaux de bactéries. Vous y êtes ? Et d'ailleurs, la vache ne se prive pas de manger son placenta à l'accouchement pour recycler les protéines. Et la vache est aussi, alors moins les vaches domestiquées parce qu'elles sont bien nourries, mais la vache sauvage, typiquement en Inde, souvent les vaches, quand elles peuvent, elles bouffent un oiseau. Ça fait un peu plus de protéines pour le rumen. Donc ça veut dire que les farines animales, ce n'est pas un scandale, c'est un très bon recyclage de déchets, comme l'eau de vaisselle qu'on donnait aux cochons dans les fermes de ma Bretagne quand j'étais petit. Le scandale, c'est de ne pas avoir de pratiques sanitaires associées correctes, et c'est en fait la maladie de la vache folle, c'est un scandale du néolibéralisme où on abaisse les températures de chauffage des farines animales, des restes donc animaux qu'on donne aux vaches parce que ça coûte cher de les chauffer, et là il y a des maladies qui commencent à passer. Mais il ne faut pas confondre une maladie qui vient du néolibéralisme avec une très bonne idée qui est de foutre des ordures en amont de la production de nourriture. C'est ce qu'on ne fait pas assez. Et ça a fonctionné d'ailleurs pendant 150 ans sans aucun problème, ces histoires de carcasses animales dans l'alimentation des vaches. Il a fallu l'Angleterre thatchérienne pour que ça patine. Alors maintenant qu'on a nourri une... Alors la vache, c'est quand même vous voyez que là, la présence des microbes est importante. Mais on va voir que ces microbes, ils sont aussi protecteurs, et pour ça, on va passer de la vache à la souris. La souris, c'est un modèle facile à étudier, et on peut, en ayant récupéré des souris sauts, des petites souris par césarienne à la naissance, en les ayant bien nettoyées, on les met dans une cage, et elles fondent des populations de souris qui vivent dans des cages complètement stériles, avec de l'air stérile en surpression, ce qui fait que, vous voyez, c'est boudiné de partout, la cage, et les trompes qui sortent, là, c'est des gants qu'on peut enfiler pour aller manipuler dedans les choses. On introduit de la nourriture stérile, on a là des souris qui n'ont jamais vu un seul microbe. Et c'est intéressant parce qu'on va voir comment elles marchent. Et en fait, on voit qu'elles marchent mal. Les souris, comme nous, hébergent entre 1000 et 10 000 espèces de bactéries et de levures sur la peau, dans les oreilles, dans le tube digestif, dans l'utérus, dans les poumons, bref, partout où il y a un trou, une surface, c'est colonisé. Et évidemment, il n'y a pas ça dans les souris exéniques. Les souris exéniques, c'est celles qui vivent stériles dans les cages, elles n'ont pas ça. Et la comparaison est hyper intéressante. On s'aperçoit d'abord qu'il y a un rôle dans la nutrition. Les souris qui n'ont pas de microbes, les souris exéniques, il leur faut 30% de nourriture en plus pour arriver à se développer comme une souris normale. Parce qu'elles digèrent moins bien. Les microbes contribuent à la digestion. Elles s'intoxiquent avec certains aliments qui sont faits pour les souris. Typiquement, par exemple, chez l'homme, le soja contient une toxine, la dedzéine, dont on a découvert que c'était une toxine pas très bonne pour la santé quand le soja est arrivé en Europe. Jamais les Asiatiques n'avaient été emmerdés par cette toxine. Pourquoi ? Parce qu'ils ont des bactéries, eux, l'antidigestive, qui transforment cette toxine en un dérivé sans gravité. C'est une toxine qui interfère avec la régulation de la pression artérielle, la minéralisation du squelette, et aussi qui a un rôle cancérigène. Et chez les Asiatiques, il y a des bactéries qui transforment ça en un dérivé. La dedzéine est transformée en S-équol, un dérivé qui, lui, au contraire, est un régulateur de la pression artérielle. Les femmes ménopausées, là-bas, ont beaucoup moins de bouffées de chaleur. C'est aussi un régulateur de la minéralisation. Les problèmes de déminéralisation osseuse post-ménopause sont moins marqués. Et puis, c'est un composé anticancéreux, anticancérigène. Donc, c'est un protecteur. Vous y êtes ? Nous aussi, on a des bactéries protectrices. Et en plus, il faut leur donner à ces souris des vitamines. Et ça, c'est bizarre. Ça veut juste dire qu'une partie des vitamines de l'organisme est fabriquée
par les microbes du tube digestif. Alors vous allez me dire, bon d'accord Marc-André, c'est de la nutrition tout ça. Où en sommes-nous de la protection? Eh bien on s'aperçoit en fait que ces souris, elles sont malades, elles ont des maladies bizarres, parce que ces microbes, comme tout à l'heure, non seulement ils font des antibiotiques, ils font de la compétition, ils occupent le terrain, ils empêchent les indésirables de s'installer. Par exemple, vous, la plupart d'entre nous, 8 dixièmes d'entre nous, sont porteurs de staphylocoque doré. Il n'y a pas plus de 1% d'entre nous qui en sera malade. Pourquoi? Parce qu'ils sont emmerdés par les autres microbes et ils n'arrivent pas à se développer. Dans le nez, il y a un autre staphylocoque, le staphylocoque de Lyon, qui produit un antibiotique qui les empêche de proliférer. Sur la peau, vous avez des malassezias, des levures qui, quand elles prolifèrent, ça fait les pellicules et puis les petites croûtes qu'on peut avoir à la racine du nez. Hein. En fait, c'est des petites levures qui vivent en bouffant nos protéines. Mais elles sont capables aussi d'attaquer les protéines qui permettent au staphylocoque doré de coller ces cellules à d'autres staphylocoques dorés et de faire des petits groupes, des petits tas, qui sont à la fois plus résistants à l'abrasion, par exemple quand vous passez le gant, et puis qui, si jamais vous mettez des toxines, par exemple les antibiotiques d'un autre microbe, ceux du tour meurent et ça fait une croûte qui protège ceux du milieu. Ah oui, mais sauf que quand il y a des malassezias, comme ils ne sont plus attachés entre eux, ils deviennent très sensibles à l'abrasion et beaucoup plus sensibles aux toxines, soit les toxines que vous mettez sur votre peau si vous osez utiliser des savons antibiotiques, parce que là vous détruisez tout, mais il y a quand même des savons qui sont vendus parce qu'ils sont antibiotiques, soit tout simplement les antibiotiques des autres microbes. Et donc, la question n'est pas de savoir si on a ou non du staphylocoque doré, il est de savoir s'il est accompagné ou pas par des choses qui, par leur présence, limitent son développement. Mais il n'y a pas que ça. Tout comme avec le tabac tout à l'heure, on s'aperçoit que les souris qui ont un microbiote, par rapport aux souris axéniques, elles ont un système immunitaire beaucoup plus efficace parce qu'il s'est mieux développé. Regardez, plutôt, nous allons infliger à nos pauvres souris une maladie qui n'est pas une maladie de souris. Tout comme tout à l'heure, la pourriture grise n'était pas une maladie de tabac. Alors on va leur inoculer la leishmaniose. C'est une maladie qui commence par la peau puis qui fait des trous de plus en plus gros jusqu'à atteindre des organes vitaux. La maladie de Chagas, pour ceux qui connaissent, c'est une maladie tropicale que l'homme peut attraper, qui n'est pas très agréable. Une souris normale, contrôle, sa peau fait une espèce de papille de résistance, une croûte qui se décolle et qui expulse l'intrus. Ce n'est pas une maladie de souris. Je recommence avec une souris axénique, qui n'a pas de bactéries. Alors déjà, je m'aperçois que sa peau, elle est moins épaisse. Elles sont complètement anormales, ces souris. Il n'y a rien qui soit normal dans une souris privée de microbes. Donc la peau est moins épaisse et puis il n'y a pas de croûte de réaction. Il y a un vague épaississement local et je devine déjà les trous qui commencent. Elle attrape une maladie qui n'est pas une maladie de souris. La honte. En fait, la taille des lésions est moins grande, mais on peut travailler ça un peu plus finement. On peut, 8-10 jours avant d'introduire la maladie, remettre sur la peau de ces souris qui n'ont aucune bactérie un staphylocoque. Un staphylocoque de la peau, Staphylococcus cyrpidermidis, le premier d'entre nous correctement nettoyé, en abrite une centaine de millions sur sa peau. C'est vraiment un microbe ordinaire de la peau. On réintroduit ça dans la cage, les souris sont contaminées, puis 8-10 jours plus tard, on les rend malades. Et là, on s'aperçoit que la papille de réaction est plus grosse. Et quand on regarde la prolifération des globules blancs qui sont capables de tuer l'agent de la leishmaniose, on s'aperçoit qu'il y en a beaucoup dans une souris normale, c'est ce qui explique la réaction immunitaire réussie et l'exclusion de l'intrus. Il n'y en a pas beaucoup dans une souris axénique, mais si cette souris a été réinfectée par des staphylocoques de la peau, eh bien là, on a de nouveau rétabli la prolifération de ces globules blancs. Ça veut dire que le système immunitaire est redevenu, il est capable de réagir. Là encore, vous retrouvez que dans le développement du système immunitaire et dans son efficacité, le microbiote est important, les microbes qui nous habitent sont importants et que donc il y a une protection directe et une protection par la modification du fonctionnement de notre immunité. Et ça pointe du doigt aussi le fait que ces microbes, ils interviennent dans le développement. Et je vais maintenant vous parler du développement du système nerveux, toujours avec des souris, que je vais faire se balader sur un dispositif en croix surélevée, dont deux branches sont entourées de hautes cloisons. Allons-y. Ici, j'ai une souris normale, donc avec des bactéries, que j'ai déposée dans ce bras entouré de hautes cloisons. Elle l'explore, elle regarde dehors, elle se dit que ce n'est pas un endroit où mettre une souris, et elle continue à explorer. En réalité, ce que vous voyez, c'est
l'habitude d'une souris. C'est agoraphobe, c'est photophobe. Les souris, ça vit planqué. C'est une façon d'éviter les prédateurs. Voilà un comportement de souris normal. La souris suivante est une souris axénique. Elle n'a pas de microbes. Et alors, je vais tout vous dire. C'est la sœur de la précédente. Les deux sont nées axéniques, mais la première, elle est tout de suite sortie de la cage. Du coup, elle s'est colonisée de plein de microbes et elle est colonisée comme une souris normale. Mais la seconde que je vais vous montrer maintenant, elle est restée dans la cage. Elle n'a pas de microbes. Et regardez ce qu'elle fait. Ah ben, elle explore aussi. Hein. Au début, elle n'a pas trop le choix. On l'a mis entre deux hautes cloisons. Donc, elle regarde ce bras-là. Elle regarde dehors. Elle sort. Elle se penche. Bon, c'est dangereux. Hein. Si jamais on fait ça avec vous, il ne faut pas se pencher. Là, elle peut être bouffée par un chat ou se prendre un coup de balai. Vous voyez, ça, ce n'est pas une conduite très, très prudente. Est-ce qu'elle va rentrer et se mettre à l'abri? Non. Alors, vous allez me dire, bon, après tout, il en va des souris comme des hommes. Peut-être que c'est un tempérament aventureux alors que l'autre est timoré. Mais on peut refaire ça sur plein de couples frères-sœurs, hein, dont l'un ou l'une est sortie de la cage et l'autre est restée dans la cage axénique. Et ce qu'on observe, c'est que, eh bien, en fait, dans tous les cas, quand on fait la moyenne, on s'aperçoit qu'on a un séjour plus important dans la zone ouverte pour les souris axéniques et un séjour moins important à la croisée des chemins. Le comportement d'exploration n'est pas le même. Cette histoire se termine très mal pour les souris. Il y a eu plein d'études qui ont requis d'analyser le système nerveux central de ces souris. Et l'une d'entre elles, qui ne va pas vous laisser de doute sur ce qui leur est arrivé, c'est de faire des tranches fines dans leur cerveau pour regarder comment s'expriment les gènes qui s'expriment habituellement dans le système nerveux. Alors, il y a eu une quarantaine de gènes qui ont été étudiés, mais je vous en cite deux. Un qui est un marqueur de l'anxiété, c'est un gène qui s'exprime d'autant plus que la souris est dans des conditions anxiogènes. Et on voit qu'à modalité d'élevage identique, les souris normales expriment beaucoup plus en rouge ce gène que les souris axéniques. Et ça, ça va bien avec le fait que les souris axéniques prennent des risques. Je ne dis pas que c'est la seule cause, hein, c'est plus compliqué. Le comportement, c'est multifactoriel. Mais ça va bien avec le fait qu'elles ont des conduites à risque. C'est qu'elles sont moins anxieuses. Et donc, ce gène qui marque les situations d'anxiété s'exprime moins chez elles. Là, c'est un autre gène qui, lui, est un marqueur et nécessaire pour la plasticité synaptique, un mécanisme qui réorganise les contacts entre les neurones et qui est impliqué dans l'apprentissage. On sait d'ailleurs que les souris axéniques apprennent moins bien que les souris normales. Il leur faut 8 jours pour apprendre, 8 jours de plus pour apprendre que le petit bouton sur lequel, enfin, qu'il y a un petit bouton sur lequel il faut appuyer pour avoir de l'eau. Elles mémorisent moins bien. Et de fait, elles expriment beaucoup moins ce gène qui permet la réorganisation des contacts entre les neurones. Je ne dis pas que c'est la cause du fait qu'elles retiennent moins bien, mais ça va très bien avec un réseau causal qui fait qu'elles ne fonctionnent pas comme des souris normales. L'expression des gènes n'est pas la même, le système nerveux n'est pas foutu pareil, et du coup, le comportement n'est pas le même. Voilà que les microbes s'invitent dans la construction du comportement et du système nerveux. Alors, je vous sens un petit peu nerveux, pour le coup, parce que vous vous dites, et nous, c'est bien ces histoires de souris et ces histoires de vaches, mais nous, nous, on est des souris et des vaches, d'une certaine façon, hein, on est un peu pareil. Nous, on est dans des sociétés où l'hygiène, la vaccination et tout un tas de pratiques culturelles ont réduit l'incidence des maladies transmissibles, tuberculose, oreillon, etc., etc. Mais dans le même temps, dans nos sociétés, on a des maladies qui explosent. Ces maladies qui explosent, qu'on peut appeler les maladies de la modernité, ce sont des maladies du métabolisme, diabète, obésité. Ce sont des maladies du système immunitaire, asthme, allergie, où le système immunitaire surréagit, ou bien maladie de Crohn ou sclérose en plaques, où le système immunitaire commence à attaquer l'organisme. Et puis le dernier type de maladie, c'est les maladies du système nerveux, autisme, Alzheimer, Parkinson. Dans toutes ces maladies, je dis bien toutes, on a fait les trois observations suivantes. 1. Les gens qui sont malades, ils n'ont pas les mêmes bactéries que les gens qui ne sont pas malades. Et surtout, surtout, ils ont une diversité de bactéries dans le tube digestif beaucoup moindre, beaucoup inférieure. En fait, leur biodiversité est moindre que celle des individus sains. Et puis, ce n'est pas la même composition. Deuxièmement, quand on prend une souris axénique et qu'on leur donne à ces souris le microbiote du tube digestif
on introduit dans le tube digestif de ces souris le microbiote des individus malades, elles développent des symptômes qui ressemblent, mutatis mutandis, hein, à ceux de la maladie. Prise de poids, dérèglement de la teneur en sucre plasmatique, comportement bizarre si on lui ordonne des microbes d'un individu autiste, alors qu'elles ne le font pas si on leur donne les bactéries d'un individu qui ne présente pas ces symptômes. Et elles changent de comportement, hein, mais sans développer ce genre de symptômes. 3. Quand on fait en milieu hospitalier, alors j'insiste en milieu hospitalier parce que en ayant fait cette conférence, après il y a des gens qui m'ont confié avoir essayé ça à la maison. Ça ne se fait pas à la maison. Il y a eu des morts d'ailleurs dans ces essais hospitaliers parce que quand on transplante des bactéries d'un individu à l'autre, ça se passe mal. Donc ne le faites pas. Hein. Quand on transfère les bactéries d'un individu sain à un individu malade, on voit régresser les symptômes. Pas complètement. Et d'ailleurs, ils finissent par revenir, les symptômes. Mais on les voit régresser. Et d'ailleurs, avant qu'ils ne reviennent, on voit que la composition du microbiote, la composition de la diversité microbienne intestinale, commence à redériver vers l'état pathologique, avant que les symptômes reviennent. Avant. Et donc, l'idée, c'est que le déterminisme de toutes ces maladies est complexe. On ne peut pas le réduire à une cause. Surtout pas. Mais parmi les causes, et notamment parmi les causes qui sont les plus proximales des symptômes, il y a un changement du microbiote. Ça intègre aussi votre génome, vos particularités génétiques, ça intègre aussi votre comportement, vos modes de vie, okay, mais ça intègre aussi votre microbiote. Et aujourd'hui, l'érosion de biodiversité, là où elle nous touche le plus, c'est dans nos entrailles. Les maladies de la modernité sont largement liées à un écroulement de notre biodiversité interne. Parce qu'il finit par plus y avoir tous les microbes qu'il faut pour que les fonctions soit rempli. C'est un peu comme le non-renouvellement d'un fonctionnaire sur deux. À la fin, l'école ne marche plus et la police est mal faite. Non, ben c'est exactement la même chose. Bon. Alors, pour être plus sérieux et revenir à ce qui nous intéresse, vous voyez que nous, ben on découvre, quand les microbes s'absentent, à quel point leur présence est vitale. Et c'est un vrai problème, car 25% des Occidentaux auront demain un problème de ces maladies de la modernité. C'est vraiment demain. Et c'est des maladies qui sont quand même invalidante, voire qui tue. Et en fait, bah aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui essaient de se dire est-ce qu'on ne pourrait pas soigner le microbiote pour amortir les symptômes? En fait, il faut retrouver de la saleté propre. L'idée, c'est qu'il y a un certain degré de saleté et de contamination par des microbes qui est plus propre à nous maintenir en bonne santé que la stérilisation, l'absence totale de microbes. Nous ne devons pas être des îles inaccessibles pour les microbes. Par contre, nous devons choisir quels microbes nous voulons. La saleté propre, par exemple, c'est aussi le fait de se vacciner ou d'éviter de toucher certaines choses ou de manger certaines choses. Mais, en revanche, c'est s'exposer aux contaminations et c'est pas manger du tout stérile et c'est pas croire qu'un produit nettoyant qui tue 99,99% des bactéries, c'est un bon produit nettoyant, par le fait même, ce n'est pas un bon produit nettoyant. Qu'un savon qui tue 99,99% des bactéries, c'est pas non, pas du tout. Et le gel hydroalcoolique, il est temps de le dire, quand on ne porte pas de masque, ce n'est pas la peine de se frotter les mains avec du gel hydroalcoolique, ça ne sert à rien. Les propagations par les mains ne sont pas démontrées. Donc si vous avez un masque, vous pouvez compléter par des gels hydroalcooliques. Si vous n'avez pas de masque, par pitié, ne détruisez pas le microbiote de votre peau, ça ne sert à rien. Bizarrement, le mot d'ordre n'est pas trop passé. Je vois quand même moins de masques que de gel hydroalcoolique dans mon environnement tous les jours. Bon, et alors, c'est tellement important cette histoire qu'en fait, ça commence très tôt. Et cette image qui vous paraît une image hautement symbolique du lien de la mère à l'enfant, cette image-là, pour un microbiologiste, c'est une image microbienne. D'abord parce que c'est un des moments où l'enfant se colonise, qui n'était pas colonisé de microbes dans le ventre maternel. Mais en plus, vous savez que les enfants pleurent. Et les tout-petits, ils pleurent pas pour manipuler les parents. Ils n'ont pas encore même compris exactement ce que c'était les parents. Ils ne sont pas encore capables de projets ou de manipulation. Ils le deviennent assez rapidement. Mais ils crient parce qu'ils ont mal au bide, quoi. Ils digèrent souvent mal et ils sont souvent la proie de microbes qui s'installent et qui perturbent le fonctionnement de leur tube digestif. Parce que comme ils n'ont pas leur diversité microbienne, ben, ils sont faciles à coloniser par des opportunistes et puis leur digestion n'est pas parfaite. Bien. Or, dans le lait maternel, bon, il y a beaucoup d'eau, mais dans la partie solide, il y a du lactose, ça étonne personne, hein, c'est un sucre qu'il y a dans le lait, bon, c'est pas étonnant. Il y a des lipides, c'est pas étonnant. Il y a des protéines, mais avant même les protéines en quantité, il y a un autre composant qu'on appelle les oligosaccharides du lait humain, qui sont donc le troisième composant par ordre d'abondance, qui ont des formules chimiques assez tordues, et qu'en plus, les enfants ne digèrent pas.
Donc on ne les a pas mis dans les laits synthétiques, hein, puisque ça n'a aucune valeur nutritive. Mais ce qu'on sait maintenant, c'est que ces oligosaccharides sont en fait des aliments qui servent à nourrir certains lactobacilles et les bifidobactéries, et qui vont donc encourager la colonisation du tube digestif en les nourrissant par ces microbes-là, qui d'abord occupent bien le terrain, deuxièmement aident à digérer, et troisièmement émettent des choses comme de l'acide indole-lactique, qui est un régulateur du développement du système immunitaire. Bref, c'est exactement ce qu'il faut aux gamins, quoi, pour se développer normalement. Et donc, il y a dans le lait maternel inscrit en lettres de feu le fait que la colonisation microbienne est importante, puisque 15 grammes par litre du lait maternel, c'est fait pour les microbes. Et d'ailleurs, par parenthèse, ceci ressemble fort chimiquement aux molécules qu'on trouve dans ce qu'on appelle les fibres, qu'on trouve dans les aliments végétaux, dans les légumes ou dans les fruits. Et en fait, s'il faut manger des fibres à l'âge adulte, c'est parce que dans le lait de maman, il y avait des fibres, et qu'il faut continuer tout seul à l'âge adulte à manger des fibres. Les fibres, c'est les choses que l'homme ne digère pas, mais qui nourrit les microbes les plus désirables pour avoir un microbiote diversifié. Et ça aussi, c'est un des trucs qu'il faut faire pour avoir un microbiote diversifié. C'est manger des fibres diversifiées. Pour faire comme maman nous faisait pour nous, c'est-à-dire avoir des saccharides, des polysaccharides, pour nourrir les bactéries. Voilà que cette image est une image microbienne. Ils sont partout. Et ils sont même dans nos gestes civilisationnels. Alors, je ne vais parler que des gestes, je ne vais pas vous parler de guerre bactérienne ou de choses comme ça, même si ça s'est fait. Vous savez, si les Européens se sont installés en Amérique, hein, c'est qu'ils sont arrivés avec des microbes et que ça a un peu foutu en l'air les systèmes qui étaient établis, et ça les a quand même grandement aidés à s'installer. Hein. Mais dans les bonnes nouvelles que nous apporte la présence des microbes, il y a aussi cette alimentation. Quels sont les produits ici qui témoignent de la présence de microbes ou qui résultent de la présence de microbes ? Le pain, le fromage, le yaourt, le lait, ben, s'il n'est pas encore fermenté, c'est bon. Le thé est fermenté aussi. Et le beurre. Ah oui, c'est quoi la différence entre le beurre et la crème fraîche ? Ben, d'accord, c'est baratté, mais c'est un petit goût de noisette qu'il n'y a pas dans la crème fraîche. Hein. Ben, ce goût de noisette, il est produit par les bactéries lactiques qui font fermenter la crème fraîche pour donner du beurre et qui sont épaississantes parce qu'elles coagulent les protéines. Bref, le beurre, c'est aussi un aliment fermenté. Alors, en réalité, ces fermentations, aujourd'hui, on trouve que c'est sympa de manger les produits fermentés. Et on dit, oui, ah, on mange les produits fermentés parce que c'est bon. Donner ça à des petits gamins, souvent, les produits fermentés, ils ne commencent pas par le saucisson, ni par le fromage. Enfin, ça dépend, hein, on a tous des points aberrants. Moi, j'ai un petit à la maison, quand le comté a moins de 36 mois, il ne mange pas. Mais c'est des points aberrants. En moyenne, les gamins, ils préfèrent des trucs neutres. La coquillette et le jambon, c'est quand même le must. Hein. Et en fait, c'est des goûts appris. Et c'est vrai qu'on apprend culturellement à aimer les aliments fermentés. D'ailleurs, on n'apprend pas les mêmes. Dire au Japon, c'est le poisson fermenté quand même qu'on mange au petit déjeuner. Ici, c'est le lait fermenté qu'on mange. Pour les Japonais, c'est répugnant. L'idée du lait, c'est bizarre. Enfin, d'avoir accès au lait, et puis en plus, le faire pourrir, c'est quand même limite sain mentalement de faire ça. Oui, alors, il faut voir que tout ça, c'est des goûts appris. Et donc, l'idée qu'on mange fermenté parce que c'est bon, c'est peut-être vrai maintenant, mais c'est culturellement transmis. La réalité est tout autre. Quand on a commencé à fermenter les aliments, c'est qu'on ne pouvait pas les manger sans ça. Prenons le lait. Vous savez qu'il y a des gens qui sont intolérants au lait. Et ça vient du fait qu'ils ne digèrent pas le lactose. Ils ne sont pas capables, ils n'ont pas l'enzyme, la lactase, qui coupe le lactose en deux parties, qui peuvent rentrer dans les cellules. Donc le lactose, il reste dans le tube digestif. Là, il y a des bactéries qui se mettent à proliférer, mais ce n'est pas celle qu'on veut. Ça fait de l'acidité qui abîme le tube digestif. Et comme ça fait plein de molécules d'acide lactique ou d'acide acétique, ça tire l'eau de l'organisme et ça vous donne une diarrhée. Donc, quand on ne digère pas le lait, ben, on n'a pas envie d'en boire, on se trouve très vite ballonné, pas bien, et si on insiste, et ben c'est une diarrhée extrêmement invalidante. Or, quand on regarde les ossements des premiers agriculteurs qui ont élevé des vaches en Europe, on s'aperçoit, alors c'est assez, ça fait technique, hein, ça fait sérieux tout ça, mais en gros, ce qu'il y a écrit là, c'est juste qu'ils étaient intolérants génétiquement, ils ne toléraient pas le lait. Et pourtant, ils traillaient des vaches. On le sait parce qu'on trouve des poteries dans lesquelles il y a des résidus d'acide gras de lait bovin. Alors pourquoi ils faisaient ça ? D'abord, on pense qu'ils s'en sont servis pour compléter l'alimentation des enfants.
qui, eux, digèrent le lactose. Puisque les premières années de la vie, on digère le lactose, on perd souvent cette capacité au moment du sevrage. Mais et les poteries dans lesquelles on retrouve ça sont trouées. Et en fait, ça, c'est des poteries pour faire des faisselles. Et vous avez une double élimination du lactose. Le lactose part avec le petit lait. Et puis après, votre fromage fermente. Et la première chose qu'attaquent les bactéries qui vont faire le fromage, c'est le lactose qu'elles transforment en autre chose qui est digeste. Donc, en réalité, quand on fait des fromages ou quand on fait du yaourt, eh ben, on rend le lait digeste à des gens qui ne tolèrent pas le lactose. Et puis après, comme le lait est devenu une ressource disponible, ceux qui ont pu le boire tout de suite, ben, ils ont eu un avantage. C'est qu'ils ne perdent pas le petit lait, et puis en plus, ce qui est bu n'est plus à boire. On ne se fait pas chiper sa ration. Vous y êtes ? Et donc, en fait, on sait très bien qu'on voit exploser, à partir du moment où on a commencé à faire du lait, on voit exploser la fréquence des gens qui digèrent le lait à l'âge adulte, qui conservent la capacité à digérer le lait à l'âge adulte, ce qui sont donc des animaux dénaturés, pour le coup, parce que chez les animaux, la capacité de digérer le lait disparaît au sevrage. On voit exploser leur fréquence, et on arrive au système actuel où 50% des Français digèrent le lait. Et quand on prend les Français dits de souche, ceux qui ont évolué avec une agriculture où il y avait des laitages, en fait, on est à 80%. Et quand vous allez en Suède, là, vous êtes carrément à 98% d'individus qui digèrent le lait à l'âge adulte. En fait, c'est secondaire. Et on a oublié, parce qu'on a évolué, à quel point on n'aurait pas pu toucher au lait si on n'avait pas des microbes. Mais ce n'est pas tout. C'est que quand vous faites des fromages et que vous avez une croûte qui se développe, cette croûte est un écran à l'arrivée des indésirables. En plus, cette croûte, souvent, je ne sais pas si sur 5 hectares, vous avez gratté un peu, il y a la moisissure jaune, grise, mais en dessous, c'est orange. C'est des bactéries bourrées de carotène, c'est-à-dire de précurseurs de vitamine A. Et ça, c'est génial, parce que quand vous faites des réserves, les vitamines, elles s'oxydent. Dans le fromage, la vitamine A du lait, il n'y en a plus. Ah oui, mais il y a des microbes qui sont bourrés de vitamine A, donc en plein hiver, si vous mangez la croûte, vous avez de la vitamine A. Détoxifier, faire des vitamines, tiens, ça rappelle ce qu'ils font dans le tube digestif. Hein. Et puis en plus, ces microbes qui sont là, ben, ils font écran aux indésirables. Voilà une expérience qui consiste à regarder comment se développe une bactérie qui est un contaminant du fromage et qui peut provoquer des avortements ou de grosses lésions rénales, la listérie. Et ça, c'est des ordres de grandeur de 10. Elles se multiplient 10 fois, 100 fois, 1000 fois, 10 000, 100 000, 1 million de fois. Et vous voyez que quand on fait pousser la listeria dans un milieu qui la nourrit et où il n'y a rien d'autre, elle se multiplie 1 million de fois en 26 jours. Si on rajoute des mélanges de souches qui sont utilisés pour les fromages pasteurisés, vous savez, les fromages pasteurisés, vous détruisez tous les microbes qu'il y a dans le lait, puis vous réensemencez avec 3-4 microbes qui vous font, alors on ne va pas citer de marque, hein, un caprice des moines ou une chaussée aux dieux. Techniquement, c'est du fromage, hein. Il n'y a pas de problème, c'est goûté, c'est assez homogène comme produit, mais c'est réussi, sauf que, regardez, ben, quand on a rajouté ces souches dans le milieu de culture, ça n'empêche pas tellement la multiplication de la listérie. On retourne dans la cave un peu cracra, là, où il y avait les fromages qui étaient en train de se faire sur des étagères en bois, typiquement ce que la DGCCRF est en train d'essayer de fermer partout. Hein. Bon, on gratouille la croûte de 5 hectares, on rajoute le gratouillis, on le mélange, et là, vous voyez, inhibition d'un facteur 100. En fait, nos anciens, en tâtonnant, hein, ils ont adopté des pratiques où le truc ne les rendait pas malades. Et par leurs gestes, le salage, le type de cave, la préparation, le ceci, le cela, par leurs gestes, ils favorisent une flore écran, une sorte de saleté propre. Ouais, une sorte de saleté propre. C'est-à-dire qu'il y a des moisissures, c'est habité, mais c'est habité, ça fait écran. Et ça, c'est vrai qu'on ne sait pas encore bien faire industriellement des choses qui font le fromage et qui font l'écran en même temps. Maintenant, les plantes. Ce que je suis en train de vous raconter, c'est la malbouffe du néolithique. Le lait, pas bon. Les plantes, au néolithique, elles sont très proches. Au début du néolithique, au moment où on commence à cultiver des plantes, elles sont très proches de leurs ancêtres sauvages, qui sont bourrés de toxines pour se défendre contre les herbivores. Donc, ces plantes ne sont pas mangeables. Comment on les a mangées? Par exemple, en plein de points du globe, on a adopté les céréales, c'est-à-dire des plantes de la famille des graminées, blé au Moyen-Orient, le riz en Extrême-Orient, et puis le maïs en Amérique. Le problème de ça, c'est que ces céréales, elles stockent leurs réserves de phosphate dans la graine sous forme d'une grosse molécule où le phosphate est attaché à un inositol qu'on appelle un phytate.
Alors ça, c'est un peu dommage parce que nous, on n'a pas d'enzyme pour découper ça, donc on ne peut pas récupérer le phosphate. C'est dommage, mais ce n'est pas le pire. Le phosphate est chargé négativement. C'est un ion chargé négativement. Donc cette molécule-là, elle est pleine de charges négatives. Et elle va scotcher des charges positives. Comme par exemple des ions calcium, des ions magnésium, des ions fer. Et elle ne les lâche pas. Donc, quand vous mangez des céréales, tout le magnésium, tout le calcium et tout le fer, ben, il est scotché au phytate et vous ne le récupérez pas. Je vais me dire, pas grave, il n'y a qu'à manger les épinards en plus. Mais non. Parce que comme il reste des phosphates libres, si vous mangez une autre source en même temps qui vous amène du fer, du calcium ou du magnésium, par exemple, vous buvez un verre de lait, ben, tout le calcium, tout le magnésium, tout le fer va se fixer sur les charges libres des phytates. Et tout ça, ça part, houp, dans les excréments. Vous vous déminéralisez. En Europe, au néolithique, nous avons perdu 15 cm. Parce qu'on n'arrivait plus à grandir. Beaucoup pensent que la petite taille des Asiatiques est une adaptation au phytate du riz. Si vous avez une petite taille, vous avez moins besoin de sels minéraux et vous pouvez supporter cette carence. Alors cela dit, il faut quand même la supporter. Et pour la supporter, ben, nos anciens, ils ont fait du pain. Le pain au levain, il n'y a pas que des levures, il y a aussi des lactobactéries qui acidifient d'ailleurs légèrement le pain. C'est ce qui fait qu'il rassit moins vite. Et ces lactobactéries, elles ont les enzymes, les phytases, qui découpent les fameux phytates. Ça leur permet de récupérer du phosphate, du fer, du calcium, du magnésium. Ça leur permet de se nourrir. Et donc, quand vous cuisez tout ça après, vous avez libéré le phosphate, le fer, le calcium, le magnésium. C'est bon, hop, c'est parti. C'est bon pour vous. Vous avez détoxifié les céréales. Et ça, on l'a oublié parce qu'aujourd'hui, on a des céréales qui contiennent moins de phytates. On met même aussi des phytases dans les farines. Ça fait partie des adjuvants des farines et aujourd'hui, ce n'est plus un problème. Mais ça, c'est l'évolution des plantes et des pratiques. À la base, il fallait des bactéries pour manger des céréales. Mais c'est pareil pour le chou. Si vous avez l'occasion de manger du chou sauvage, vous verrez, c'est imbouffable. Je vous mets au défi de l'avaler. Parce que c'est bourré de composés sulfatés qu'on appelle des glucosinolates, qui sont des composés qui ont cette formule et puis qui ont différents radicaux, là, il y a toute une famille qui diffère par ce qui se trouve ici. Et il y en a des glucosinolates qui sont extrêmement amers, extrêmement immangeables, qui vous provoquent des diarrhées et qui sont très cancérigènes. Donc le chou, on n'a pas envie de le manger. Si on le mange, on a des diarrhées. Si on persiste à le manger, on risque des cancers. Je ne sais pas ce qui a pris à nos anciens d'en manger, mais le truc, c'est qu'aujourd'hui, on a oublié ça parce qu'on a sélectionné des choux qui conservent ces composés. C'est ce qui donne le goût de chou, mais pas tous. En fait, on a sélectionné les choux qui ont c'est des formes inoffensives de ces composés. Nos anciens, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ben, ils ont fait de la choucroute. Et dans la choucroute, il y a des leconostoques et des lactobacilles qui détoxifient ces glucosinolates qui sont dangereux pour eux, donc ils les détruisent. Et d'ailleurs, vous savez que la choucroute n'a pas le goût de chou. Ça, c'est un goût assez particulier, mais ça n'a plus ce goût soufré parce que ces composés ont été détruits. Composés qui contribuent à donner le goût à toute la famille du chou. Des composés qui peuvent être assez violents. Hein. Pour vous donner un exemple de leur violence, le wasabi, le réfort, la moutarde, les radis, c'est des glucosinolates qui font ça. La plupart du temps, c'est immangeable. Mais quand on veut en manger, souvent, ce n'est pas bon. Et donc, aujourd'hui, on a sélectionné des choux, ensuite, qui ne font pas trop de glucosinolates toxiques, mais en plus, ça fait longtemps que les bactéries s'occupent des glucosinolates pour nous. Et en plus, ça fait de la vitamine C. Oui, la choucroute, c'est une source de vitamine C. Et d'ailleurs, la boucle est bouclée. Si les Européens sont allés enquiquiner les populations d'Amérique du Sud et d'Afrique, c'est juste parce qu'en bateau, ils ne souffraient pas du scorbut. Comment ils faisaient ? Ils prenaient de la bière à bord, parce que dedans, il y a des levures, donc il y a de la vitamine C dans la bière, et ou du chou. Et c'est comme ça qu'on pouvait, en bateau, travailler avec ces microbes. Des microbes qui, vous voyez, protègent des contaminations, font des vitamines, aident à digérer, détoxifient, font dans nos usages culturels, ce qu'ils font dans notre biologie. Et les chemins d'évolution culturelle ont redécouvert, sans le savoir, même à une époque où on ne connaissait pas les microbes, ils ont redécouvert les usages des microbes que notre évolution biologique avait déjà utilisés. Ainsi, vous découvrez que même dans des gestes culturels et dans l'évolution culturelle, il y a des microbes, il y en a vraiment partout. De toute façon, ça, c'est pas un problème, parce que c'est tellement petit qu'on peut en mettre n'importe où. Hein, c'est comme les chaussettes quand on fait une valise. Même quand votre valise est pleine, il y a de la place pour les chaussettes. Bon, bah, des microbes, il y a de la place partout pour eux parce qu'ils sont petits.
Et ça nous rappelle que l'essentiel est souvent invisible pour les yeux. Nous sommes des squatteurs dans un monde microbien. Le monde, il est fait de microbes. Et nous avons parfois du mal à réaliser, parce que nous voyons que ce qui est gros, que l'essentiel, c'est ce que les yeux ne voient pas. Enfin, c'est pas vrai. Parce que vous avez vu des vaches ruminer, vous avez vu des plantes vertes, vous avez mangé de la soucroute, vous avez peut-être mangé un peu de fromage. J'ai vu qu'il y avait là-bas un peu de fromage qui était préparé pour dans pas longtemps maintenant. Oui. En fait, il faut surtout interpréter ce que nos yeux nous disent. Et ce que nos yeux nous disent, c'est que toutes ces choses-là ne sont jamais seules. Ça pourrait presque être le titre d'un livre. Mais en tout cas, c'est une réalité. Nous vivons dans un monde où, dont une partie est construite par des microbes. Et ça, pour demain, comme c'est une vision relativement nouvelle des choses, ça détermine de nouveaux moyens d'action et aussi l'envie de voir petit. Alors qu'on a toujours voulu voir grand et que c'est une erreur, je pense. On le touche du doigt maintenant, cette erreur. Voilà, voyons petit. Je vous remercie de votre attention.